des chefs de programme initiés à la gestion des pages web de l'administration burkinabé. La formation vient de s'achever. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre en charge des technologies de l'information et de la communication. Le compte-rendu est de Peggy Ouédraogo et Pousseba Ahmed Zampaligri. Ils étaient une trentaine de spécialistes de sites web à participer à cette formation, le but étant de familiariser les informaticiens en poste dans les différents départements ministériels avec les nouveaux outils et concepts de gestion des sites web. Et cette formation était vraiment basée sur des applications nouvelles, des applications qui pourront aider les ministères à pouvoir avoir une autre forme, une autre vision technique et recapitaliser le contenu qui est déjà présent, ce n'est pas inventer quelque chose, utiliser le contenu qui est déjà présent et le remettre sur le site, mais d'une manière plus professionnelle. Les participants ainsi outillés sont à même d'améliorer les pages web de leurs ministères respectifs avec plus d'animation et de performance technologique. Donc la suite, ça va être justement de travailler à une mise à jour régulière des sites web d'administration, à leur amélioration, à la diversification des contenus qu'il y a dans ces sites et aussi à la mise en ligne de nouveaux services pour faire en sorte que les Burkinabés puissent accéder aux services à travers le web, qu'ils puissent par exemple faire leur déclaration d'impôts, payer leurs impôts à travers le web, que les étudiants puissent s'inscrire dans les universités à travers le web, etc. Désormais, il faut compter sur une révolution technologique de l'administration profitable et accessible à tous les citoyens burkinabés.